J'ai compris. Se lever pour accueillir la présence de Dieu. Que le Dieu qui est glorieux, Seigneur Jésus. Que le Dieu qui est merveilleux, Seigneur Dieu. Que le Dieu qui est saint, Seigneur Dieu. Donc pour nous, on est en toi, Seigneur Jésus. Que le Dieu de toute éternité, Seigneur Jésus. Que le Dieu de toute gloire, ô Père merveilleux. Que le Dieu de toute bonté, Seigneur Dieu. Que le Dieu qui couvre et qui nous fait. Que le Dieu qui protège votre départ et votre arrivée, Seigneur Jésus. Que le Dieu qui fait toutes choses bonnes dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous pouvons te louer encore ce roi, Seigneur Jésus. Nous pouvons t'adorer parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Nous pouvons te glorifier parce que toi es digne, Seigneur Jésus. Parce que tu te loues, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne d'adoration, Seigneur. Car Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur Jésus. On peut pas prendre en compte, Seigneur Jésus. Que le Dieu de toute éternité, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus.
Nous allons aller dans le psaume 2 aujourd'hui, le verset de ce service. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Psaume 2. Là, nous disons au nom de Jésus. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vains conseillers parmi les peuples. Ça, c'est pour nous d'abord. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? La parole de Dieu te déclare, te demande pourquoi est-ce que tu es en tumulte? Pourquoi tu as des vaines pensées? Pourquoi tu te demandes est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que la promesse de l'Éternel va s'accomplir dans ma vie? Regarde, souviens-toi de Joseph. Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a juste donné un rêve. Et puis après, un autre rêve. Et ce Joseph-là, ses frères croyaient tellement en ce rêve-là qu'ils ont voulu le tuer. Juste un rêve. Juste un rêve. Quelqu'un veut tuer quelqu'un juste à cause d'un rêve. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Regarde, Pierre était dans la prison. On devait le tuer. Mais il dormait paisiblement. Parce que quelqu'un lui a donné une promesse. Que ce n'est pas ce jour-là qu'il allait mourir. Juste parce qu'il croyait en cette promesse-là. Et juste à cause de la personne qu'il lui a donnée. Père, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais celui que tu sais? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais de quoi il est capable? Il te pose une question. Pourquoi tu es en tumulte? Pourquoi tu as des belles pensées? Pourquoi tu penses que ça ne va pas arriver? Pourquoi tu penses que ça ne va pas se réaliser? Il continue, il dit. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son moine? Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont du dehors et qui viennent contre toi. Dis à quelqu'un, j'ai été choisi. Regardez, combien de chances y a-t-il pour que, autant que nous sommes, nous venons de beaucoup de lieux différents et de très très loin. Combien de chances y a-t-il que nous nous retrouvions tous ensemble ici en ce lieu? Si ce n'est la main de l'Éternel qui nous a choisis, si ce n'est la main de Dieu qui nous a conduits ici, si c'est la main de l'Éternel qui a voulu que nous soyons ensemble ici pour faire quelque chose, pour un objectif bien précis. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai loin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je crierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Le Seigneur dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. C'est que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais un jour, le Seigneur dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Un jour, le Seigneur dit, à partir de ce jour-là, tu n'es plus seulement une créature que j'ai faite comme les autres créatures, mais tu es devenu mon enfant. Un jour, quand tu es rentré dans les eaux du baptême, le Seigneur a dit, voilà, aujourd'hui, là, tu n'es plus n'importe qui, tu es devenu un prince, l'héritier de mon trône. À partir de ce jour-là, toutes les choses sont devenues différentes et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Et à partir de ce jour-là, il dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Même si c'est les extrémités du monde, je vais te les donner. Demande-moi tout ce que tu veux. Alors quelqu'un doit demander quelque chose à Dieu. Vous savez, j'ai appris une chose. Une seule chose qui a révolutionné ma pensée, qui a révolutionné toutes choses dans ma vie. C'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de demander, c'est que tu ne crois plus qu'il y a plus de foi. Continue pas à demander. Jusqu'à ce que tu l'aies obtenu. C'est pas ce que tu veux demander à Dieu, mais c'est le moment de lui demander. Et n'arrête jamais de lui demander. Continue pas à frapper à cette porte-là. Continue pas à toquer jour après jour, jour et nuit. Seigneur, je suis là. Seigneur, ma famille n'est pas encore sauvée. Seigneur, je n'ai pas encore obtenu ceci. J'attends toujours ma guérison, Seigneur. J'attends toujours ceci. J'attends toujours cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je suis là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La parole déclare que même si le juge unique, il dit que même si la voix n'est garde pour personne, et même si le groupe qui ne craint pas Dieu, à cause du fait que cette femme vient lui rompre la tête jour et nuit, il va lui donner, il va lui faire justice. Rien qu'à cause de ça. Tout simplement parce qu'il est dérangé. Alors quelqu'un doit nous continuer. Pas déranger Dieu. Dérange Dieu.
Oh,
Et j'entre dans le ciel.
Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains à la présence de Dieu? Thank you.
Yeah.